Il dit que ces loges spéculatives ont été créées par qui? Par William Shaw. Ce fameux William Shaw qui était le maître des ouvrages du roi, et que William Shaw était en relation étroite avec la Royal Society et a introduit, selon lui, l'hermétisme, la science hermétique dans les loges spéculatives écossaises. Avec donc tout ce développement de l'hermétisme chrétien, puisque Hermès était considéré comme une sorte de préfigure du Christ. Ça, c'est tout à fait la Renaissance chrétienne, notamment Marcille Fissin, le pic de la Mirandole, etc. Je disais que selon cette théorie de Stevenson, Shaw, qui était, je cite son titre exact, maître des ouvrages du roi d'Écosse et surveillant général, avait réorganisé le métier, parce que le métier s'était un peu désorganisé, pas totalement comme en Angleterre, mais un peu désorganisé, l'a réorganisé, réunifié, et il y a rajouté, eh bien, ce que l'on peut appeler d'une façon précise hermétisme, parce que fixé, axé sur Hermès, et l'Hermès tel qu'il a été développé et magnifié dans le cercle des Médicis, de Côme de Médicis, etc., avec, et j'ai cité Marcille Fissin, Pic de la Mirandole et bien d'autres. Et cet hermétisme continuait à être véhiculé par la maçonnerie écossaise à partir de ce moment-là, avec des avatars variés. Mais ce qui expliquerait, en tout cas pour moi, l'aspect tout à fait primordial donné dans les légendes maçonniques à la maçonnerie écossaise, qui est qualifiée parfois de pure et ancienne maçonnerie. Et d'où aussi le prestige des grades écossais, etc. Et on retrouve ce prestige de la maçonnerie écossaise pratiquement partout. Donc justement, après ce détour par l'Écosse historique, l'Écosse géographique, peut-être qu'on peut aborder un peu plus l'Écosse mythique qui constitue l'épine dorsale du rite écossais ancien accepté, que vous connaissez, autour duquel...